Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau colcaise, aujourd'hui consacré à Marie-Hélène Audouaille. Alors cette histoire, elle commence ainsi. Ce mardi 21 mai 1991, au matin, Marie-Hélène Audouaille, 22 ans, s'affaire dans l'appartement qu'elle occupe depuis quelques mois avec Stephen, 20 ans son compagnon ce quatre pièces de la résidence du Lido de Cannes-sur-Mer, avec vue imprenable sur la Méditerranée. Marie-Hélène sait qu'elle a une grosse journée devant elle, la représentante en pharmacie doit faire le tour de plusieurs officines de la côte et aller en visiter d'autres jusque dans les Hautes Alpes, à Briançon, la route est longue, elle a prévu de dormir sur place. À 9h52, elle est revenue chez elle pour passer un long coup de fil à sa meilleure amie. Elle évoque les journées difficiles qu'elle vient de passer avec Stephen, lequel l'a ouvertement trompée avec une autre femme, a priori un mannequin suédois. Le couple a failli rompre, mais se serait réconcilié la veille, le lundi de Pentecôte. Tout serait plus ou moins rentré dans l'ordre, même si Marie-Hélène redoute à nouveau d'être trompée alors qu'elle va s'absenter de Cannes-sur-Mer. C'est la dernière fois que son amie Géraldine Garino entend sa voix. La représentante prend le volant de sa Renault Super 5 blanche, direction Monaco. À 8h46, elle fait le plein dans une station-service. Elle est repérée vêtue d'une veste, d'une jupe couleur noire et de collants. Marie-Hélène visite la pharmacie de la principauté, mais le patron est occupé. Elle se rend ensuite chez un grossiste voisin, revient vers 14 heures à la pharmacie, mais la préparatrice lui dit que le responsable s'est absenté. Pressée car elle n'a toujours pas déjeuné, elle lui laisse donc un mot dans son bureau Je repasse la, la semaine prochaine, bisous, Marie-Hélène. La préparatrice dira avoir vu partir une jeune femme belle, souriante, nullement préoccupée de quoi que ce soit. Le lendemain, mercredi 22 mai, son compagnon appelle Jacques et Annie Audouaye, les parents de Marie-Hélène. Il les informe que son employeur a téléphoné. Il dit être sans nouvelles de sa représentante. Les parents sont intrigués. Ils pensent que leur fille a peut-être oublié ce coup de fil, même si ça ne leur ressemble pas. À la, fin de sa semaine, il y a, à la fin de la semaine, pardon, il n'y a toujours aucun signe de vie. Son compagnon, lui, ne semble pas inquiet, en tout cas pas outre mesure. Mais Jacques et Annie sont désemparés, désespérés même, d'autant que la jeune femme ne se manifeste pas pour souhaiter la fête des mères, ce qui est totalement inhabituel. Le lundi 27 mai, les parents sont au commissariat d'Antibes pour signaler la disparition. Il leur a répondu que leur fille est majeure. Pas d'enquête ouverte. Les ils vont alors se lancer à corps perdu dans les investigations, appelant les pharmacies que Marie-Hélène aurait dû visiter. Visitant les précipices de la route des Alpes, où elle aurait pu avoir un accident, le couple loue même un hélicoptère pour survoler la région, puis un sonar pour explorer le canal de la Durance et le lac de Castillon. Près de Saint-André les Alpes, mais les recherches continuent de demeurer infructueuses. Le 13 juin 1991, un mois après sa disparition, une enquête pour enlèvement et séquestration est ouverte à Grasse, confiée à la juge Catherine Rabi. La PJ de Nice recueille vite un troublant témoignage, celui du gérant d'une gérante de, de croissanterie qui est formel. Le mardi 21 mai, en début d'après-midi, Marie-Hélène et une jeune femme blonde se sont attablées chez lui. Elle lui dit qu'elle habitait tout près, la résidence du Lido. Le témoignage est pris très au sérieux. Il est capital. Il signifie que la représentante est repassée chez elle après le déplacement à Monaco. Un crochet totalement imprévu. Le compagnon Stephen est ensuite entendu en qualité de témoin. L'appartement est visité. Rien n'étant désordre mais la PJ tique sur les photos d'une femme blonde qui n'est pas Marie-Hélène. Steven raconte qu'il s'agit de sa dernière conquête, la suédoise Gunella, qui a provoqué la colère de Marie-Hélène. Le jour du départ, il indique l'avoir aidé à porter sa valise jusqu'à la Renault 5. Selon ses dires, c'est la dernière fois qu'il l'a vue. Alors, avec la réouverture de ce dossier par le pôle Cole Case de Nanterre, l'espoir renaît, en tout cas pour les parents. Alors, étrange affaire que celle de Marie-Hélène Audouaille. On a le sentiment quand même que quelque chose n'a pas été convenablement pris en compte dans cette enquête. Déjà, le temps que, le, que la disparition soit prise en compte. Ça a été trop long. Et puis, un amant, un compagnon plutôt, qui se dispute la veille et qui, sitôt son ami disparu, se met à remplacer les photos dans l'appartement. Ne s'aime pas plus que ça. Là encore, on peut s'interroger. Pourquoi ce retour chez elle de Marie-Hélène Qui était la jeune femme qui déjeune avec elle Beaucoup de questions. Beaucoup trop de questions. Alors ce que je vous propose, eh c'est de regarder dans un premier temps cette fameuse journée pour Marie-Hélène. Donc regardons un tirage tout à fait général. Comment s'est déroulée la journée du 21 mai 1991 pour Marie-Hélène Audoyle. Là encore, c'est très simple. Mon idée est de voir s'il y a des choses imprévues. Si tout était planifié, si cette rencontre avec cette jeune femme autour de 14h30 était prévue, ce retour à la maison était-il prévu Bref, voir un petit peu ce qui ressort. Et effectivement, on a l'impression qu'en tout cas la journée commence bien. Marie-Hélène semble avoir gagné. Cette carte de la renommée, une carte jupitérienne, me laisse à penser qu'elle, que Marie-Hélène croyait vraiment qu'en fait tout était redevenu normal au sein de son couple. Elle se dit j'ai gagné. Stephen ne va plus me retromper, même si elle craint, c'est normal. Mais elle pense en tout cas un court laps de temps avoir gagné. Sur le temps. Et puis, quelque part, sur ses affaires, elle pense que aussi tout va bien. Alors, bien sûr, dans le, dans le récit que j'ai lu, je vous dis qu'elle craint que Stephen recommence. Ça, c'est la nature humaine. On se sent fort à des moments, et puis quand la journée se déroule, la force et la confiance disparaissent pour laisser crainte pour laisser place aux craintes. Là, je dirais que tout simplement, la journée commençait bien et sous de bons auspices pour, pour Marie-Hélène. Regardez bien cette carte, elle est intéressante. Ce qui va contre Marie-Hélène, c'est déjà une carte martienne, c'est donc une, de l'agressivité. Vous voyez quand j'ai vu cette carte, j'ai tout de suite pensé à Steven. Alors, paradoxalement, il la trompe, mais il me semble apparaître aussi comme quelqu'un de dictatorial dans les conduites, pas jaloux, pas sur ça, mais quelqu'un qui impose son point de vue, sa vision des choses. Et puis cette carte despotisme aussi montre un lien à la fois vers le passé, mais un lien d'enchaînement. Évoquant ainsi que Marie-Hélène a été retenue, entre guillemets, fait prisonnière. Mais tout de suite, vous voyez, en voyant ce qui est important, c'est de faire confiance à son intuition. Là, on voit quelque chose de martien. On a donc une forme d'agressivité. On voit quelque chose avec des liens ce qui l'empêche de se mouvoir à sa volonté. Et mon intuition, quand j'ai vu la carte, j'ai pensé à Stephen. La voyance, c'est faire le mélange de tout ça. De donner aussi libre cours à son intuition. Certains parleront de canalisation, d'être canal à ce moment-là. Peu importe le nom que vous donnez aux choses. Il y a ce que vous dit l'oracle, et il y a la partie intuitif qu'il ne faut pas négliger. Là, nous avons bien Marie-Hélène qui n'est pas du tout libre de ses actes, elle est prisonnière, très clairement. Et le conseil que l'oracle lui aurait donné, c'est de bien réfléchir à sa journée. Bien réfléchir. Ce n'est pas le côté professionnel, c'est personnel. Bien réfléchir sur ce qu'elle va faire, comment elle le fait, quelles vont être ses paroles. Deux cartes qui parlent d'elles-mêmes, mais surtout cette finalité ici la finalité n'est pas bonne du tout on parle accident on parle encore une fois mars 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 d'accident il faut se méfier de la carte et ne pas la lire ne pas faire littéralement Vous voyez c'est écrit accident mais ce n'est pas sous forme d'accident on voit plutôt la foudre s'abattre sur marie hélène la foudre en l'occurrence quelque chose de violent, quelque chose qui vient la détruire, qui vient l'assassiner. Or là, avec ce que nous précise l'oracle, on y mêle Stephen. On mêle Stephen à cette situation. Alors, ceux qui observent bien me diront, mais pourquoi cette carte présente ici cette carte présente, pour moi, elle nous montre un laps de temps. Rappelez-vous, je vous ai dit, elle a déjeuné avec quelqu'un. Une jeune femme blonde, visiblement. Ça veut dire qu'elle a eu le temps de déjeuner. Et que ceci s'est passé après. Elle est repassée donc chez elle. En tout cas, près de chez elle avant de se rendre à son prochain rendez-vous. C'est pour ça que l'oracle lui conseille de bien réfléchir. Il ne fallait pas retourner près de chez elle. Steven a été prévenu, l'a observé. Alors ce que je vous propose, c'est eh bien de regarder différemment. Puisque là, mon intuition me guide vers Steven, je vais regarder... Comment a agi Stephen vis-à-vis de Marie-Hélène Je croise. Afin de vérifier que mon intuition est bonne. Comment a évolué Stephen vis-à-vis de Marie-Hélène Là encore, je vérifie. Tout simplement parce que je veux voir si mon intuition est bonne, si je peux obtenir d'autres indications ou pas. Et là, vous voyez, on observe tout de suite un changement de comportement. Nous sommes sur Mercure, un septénaire de Mercure, c'est tout ce qui est communication. On le change, on le trouve changé. Il se modifie vis-à-vis -vis de Marie-Hélène. Il modifie son comportement. Il n'est plus du tout agréable. Il n'est plus convivial, agréable, souriant. Ce qui montre plutôt un Stephen calculateur. La convivialité, c'est la spontanéité. Il ne l'est plus. Alors le conseil à, tr... à donner à Stephen, ça serait de retrouver de la convivialité, du plaisir, de l'harmonie avec Marie-Hélène. Forcément, s'il retrouve de l'harmonie, il ne va pas la tuer. L'oracle est logique, mais ce conseil ne sert à rien, malheureusement. Alors Bon deux cartes qui sont extrêmement claires, on sent un vrai malaise. De Steven envers Marie-Hélène. Et là cette carte fatalité indique que tôt ou tard, il a prévu de rompre, ça ne serait euh, pas grave. Mais là avec cette carte, c'est plutôt de trancher. Et avec la carte de la maladie, de se débarrasser de Marie-Hélène d'une façon beaucoup moins romantique. Bref, il a prévu de la tuer. Mon intuition se vérifie ici, et on voit bien que Stephen est mêlé de très près à la disparition de Marie-Hélène, et que les enquêteurs ont raté quelque chose. Peut-être n'ont-ils eu tout simplement pas les éléments suffisants. Toujours compliqué. Hein. La, la voyance, il n'y a pas d'élément de preuve, il n'y a pas cette notion-là. La voyance ne fait pas appel à des preuves. Dans la vraie vie, effectivement, pour les enquêteurs, il faut des preuves. Mais c'est ce chemin-là avec Steven. Alors, comment a évolué Steven par la suite Regardons. Comment a évolué Stephen ensuite, après le décès de Marie-Hélène Il ne dit rien, il reste très secret. En réalité, on le sent pris de, non pas de remords, mais d'émotions, l'envie de, de ne parler à personne, de rester un petit peu renfermé. Il ne fait rien. Il n'a pas vraiment envie de se donner la peine de travailler. Il reste un peu en, en deçà de ce qu'il devrait faire. Ce qui montre quelqu'un qui, qui finalement... Ne montrer aucune émotion, en tout cas avec un comportement étrange, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui vient de, de perdre une, une proche, encore moins la personne avec qui euh, il est en couple, et pourtant il ne souhaite rien dire, il ne souhaite pas parler de tout ça. L'oracle lui conseille de ne rien faire pendant longtemps, curieux comme conseil. Avec cette carte procès, Stephen a recommencé. Il y a quelque chose avec cet homme. Il s'est remis à faire quelque chose et il a recommencé à d'autres reprises, dans d'autres contextes. Semaine dernière, j'ai fait un tirage sur la disparition de John Bert. J'ai un mauvais pressentiment. Je vous avoue, quelque chose me chagrine. Je vais prendre l'oracle. Je vous avoue, je suis un peu perturbé là. Je vais demander à l'oracle quel lien y a-t-il entre Steven et la disparition. De John Bert. Deux cœurs. Deux cœurs. Ça ne veut pas dire que Stephen était amoureux de John Bert, non. Mais il y a bien un lien. Un lien entre cette affaire. La carte nous montre un lien. Steven, Steven est ce tueur en série qui a fait disparaître Marie-Hélène et qui a tué John Bert. Il est la cause de tout ce qui se passe. C'est à lui que les enquêteurs devraient s'intéresser. À lui avant tout et à nul, à nul personne d'autre. Alors je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Hein. Euh, deux tirages. Et la plupart du temps c'est vous qui me faites les demandes. Hein. Euh, je regarde avant de, de faire les, les demandes. Je, je prends un petit peu en fonction de, de mon humeur. Hein. Je, je regarde, je trie les mails. J'en prends un au, presque au hasard, je dirais, alors que le hasard n'existe pas. Et là vous voyez, coup sur coup. Coup sur coup, on parle de deux affaires qui concernent le même, le même coupable finalement. Alors après ce tirage, eh bien écoutez, si vous aussi vous avez envie euh, que je fasse des, des tirages sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me soumettre vos demandes exclusivement sur utervoyant.com, je vous le répète. Hein. Euh, si vous avez des demandes aussi pour vous, n'hésitez pas. Des questions précises, j'insiste bien précises, accompagnées de votre date de naissance et je vous répondrai gratuitement. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne, ne vous en privez pas, la chaîne a besoin de, euh, de soutien, de votre aide. Vous trouvez un lien Tipeee dans la description de la vidéo, afin de pouvoir aider la chaîne. De mon côté, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.